Ésaïe, chapitre 19. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui président l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent de défilés sur l'eau seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon « Je suis fils des sages, fils des anciens rois ». Où sont-ils donc tes sages ? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tsoan sont fous, les princes de Nof sont dans l'illusion, les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée « ville de la destruction ». En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira, et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. »